Ça nous donne la réponse. Oh, maintenant il y en a trois. Il y a deux fois un trait, trois points. Ah, quoi que non, c'est pas ça en fait. Ah, faut refaire la ligne de droite, ça. Voilà. Et là, c'est la ligne de droite aussi. Enfin, je crois. Une barre. Ou alors c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est une barre. Ou alors c'est rien. Ou alors c'est ça. Du coup, il manque un truc. Ah! Non, c'est bon. Une. Encore une porte. Ça doit cacher quelque chose. Deux. Merde, j'en étais sûr. Un cheval. C'est quoi ça? Le serpent? Ah, voilà! Un, trois... Rien? Y a pas rien. Une idée? Oh. Quatre traits 1.3, quatre traits 1.3. Le très simple? Pourquoi le très simple? On va voir. Jonah, comment ça se présente? Il y a une date incomplète et une représentation de chaque shell. J'ai deux dates ici. Et Ishell. Je crois que j'ai vu la date de gauche quelque part. C'était serpent. Oh! Faut m'expliquer pourquoi le très simple, hein, parce que là j'ai pas. Alors. 3, après il y a 3 machins comme ça. Un point, un trait. Ah! Un point, un trait, donc point et... un point et un trait. C'est ça? Il faut additionner en fait les deux. Les deux piliers. Un truc comme ça.
Ça veut dire quoi, deux pièces, là? Ça veut dire deux? Ça? Là, c'est trois points, un trait... Trois machins... Un point, un trait. Je suis pas sûr de bien avoir tout compris en fait, comment ça fonctionnait. Mais... un truc qui m'échappe. Alors, 4... 4 traits... Pourquoi le premier c'est 4 traits? 1, 3... 3... Je sais pas pourquoi traits... Et là, il y a 4 traits. Donc plus 1. Parce que 5 c'est un trait, on est, c'est ça. Donc là ça ferait 4, donc 4 ça devient un trait, donc ça ferait 2 traits. Donc ça ferait 2 machins comme ça je crois, enfin j'en sais rien, on va voir. Je sais pas, je le fais un peu au pif là, là j'avoue que je suis pas sûr d'avoir bien compris le système. Pas d'aide, j'ai aucune aide. Faudrait retourner parler à Marco par contre. Je veux bien Orion, mais si tu m'expliques en même temps. Là ça ferait un trait. Là je pense que c'est bon. Bah là c'est logique. C'est 3 avec un trait. Après il y a 3 pions la pièce. Et après c'est 1 et 1. Une barre, et là on a mis 1 et une barre, donc le théorie, moi pour moi c'est bon. Là il y a 4 et un trait, alors qu'il n'y a pas 4 et un trait. Faudrait additionner les deux. Ok, Jonah. C'est quoi le dernier chiffre pour chaque shell? Une ligne en travers, deux points en haut. 7, je dirais. Merci. Une ligne en travers, deux points en haut. Donc c'est ça, c'est 5 et 2. Mais c'est où, chaque shell? C'est le... Dans quel sens? À droite ou à gauche?
Ouais, ok, non, c'est pas ça. Celui-là, il n'y a pas. Donc l'autre, c'est une ligne en travers et, deux. Je pense. C'est ça. C'est juste ça, c'est 10 peut-être. 20. Là, ça ferait 10, 20, 30, 35, 36. Et là, c'est 16. 10, 20, 30, 40, 45, 48. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ok. 10, 10. Alors attends, 3, 4, alors il y a 4, 5, 6, 7, 7, donc 17, 27, 37, 38, 41, et là, 5, 10, 14, 15, 18, 19, 20, bref, bon, je pense qu'on est bon. Là, j'avoue que... Jonah ? Salut, Lara. C'est Abby. Oh, salut, Abby. J'ai trouvé une fresque. On dirait que ça représente une sorte de voyage. Entrer dans la gueule du jaguar et suivre un serpent vers un œil d'argent. Uh-huh. Et puis on voit aussi une araignée et un aigle qui s'envole vers un temple. Pas pour le reste, mais la gueule du jaguar, c'est par ici. Je lui fais tellement pas confiance à l'autre. Vraiment ? Ouais, une sculpture de chat avec de grandes dents. Ah, voilà Jonah. Lara, est-ce que ça va ? Oui, je ressors là. Parfait. Je crois que tu vas aimer ce qu'on a ici. Je lui fais tellement pas confiance à l'autre. Oh, impossible de comprendre ce que je lis. Ça c'est un peu bizarre, peut-être qu'on a... On a peut-être, sûrement même, on a sûrement loupé des choses pour apprendre la langue, non? 100%, ah! Peut-être que maintenant on peut. Ça décrit quelque chose de proche. Yeah! Deux gardiens ont des crocs, deux gardiens ont des pieds, un gardien a les deux pour mieux me protéger. Oh. Ça me sera utile. Ah, voilà, c'est bien de chercher. Secret du Molony trouvé. Comment c'est noir? En gros, ça parlait de cette statue, quoi. Ah, tout simplement. Oh, nouvelle aptitude. Ah, intéressant. Serre d'aigle. Sur une branche, utilise une flèche grappin pour tuer et accrocher en hauteur un ennemi. Oh. Ah yes, je l'avais vu en à l'E3. Elle les pend en fait. Elle pend les mecs. C'est pas mal. Ça va être sympa, ça va être joli. Ça va être joli à faire en fait.
Kirana. Ah mais ça a l'air terrible. Allez go. Pas des objets par terre. Non. Cachez-vous dans les herbes. Pour éviter d'être détecté par les prédateurs. Ok. Go. Ah mais c'est mort instantanée. D'accord. Ah putain, on va s'amuser, tiens. Pas trop où aller, j'ai pas trop envie d'explorer non plus. Parce que sinon, on va sûrement se prendre des piranhas dans les fesses. Ah, je sais pas. Ils ont pas une méga vue non plus. Ok, on passe. Bon, en gros, faut pas aller à droite, quoi. À la droite, c'est que des piranhas, je parie. Bah oui. Voilà. Où est-ce qu'on va? Allez, monte. Sors de cette merde. Oh, elle est sortie. Hey, eh ben. Bordel. Fais pas ça. Désolé. Qui d'autre s'en est tiré? Ça, j'en sais rien. Bon, c'était cool, mais c'est dangereux quand même. QG, ici l'équipe Omicron, on est attaqué. QG, répondez. Du nouveau? Silence, faut que je me concentre. Serre d'aigle. Répondez, appuyez répondez. Sur une branche et sur un... maintenez pour tirer. Elle lui plante la flèche. Ils sont là. Elle lui plante la flèche pour maintenir.
où vous êtes. De quoi ont-ils peur comme ça? On peut se mettre de la boue là. Il est où le mec? C'est pas mal ça, c'est pas mal. Ça fait bien Predator. Je crois que c'est ce qu'on avait vu dans le 3. Normalement ils sont vachement à cran ici apparemment. Donc ils risquent de s'entretuer si on leur fait peur. Je dois bien me mettre de la boue par contre. Et j'ai pas l'impression que je peux le faire n'importe. Enfin non, c'est de l'eau ça. Ouais, ouais, bref. On continue. Merde, j'ai perdu ma radio dans le crash. Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'était quoi ça? Je sais pas, mais ça a l'air méchant. Un singe tueur. Où sont nos renforts? Les renforts sont en route. Alors dites-leur de se grouiller, putain! Tout est plein. Je peux plus rien prendre. À l'attention de Docteur Dominguez. Campement établi près de la raffinerie abandonnée à l'extérieur du village. Contact pris avec les villageois. Personne ne sait rien sur Loup solitaire. Un petit groupe a quitté le camp principal en volant pour 2 semaines de ressources. Je propose d'éliminer ces anciens éléments une fois l'opération terminée. Aucun signe de Croft pour l'instant. On signale qu'un avion se serait écrasé à 10 km du village. Un coup de pouce du destin. Remarque, un villageois a suggéré de faire attention qu'Abby Ortiz ne s'intéresse pas trop à nos affaires. J'ai envoyé le nom au QG, j'attends son dossier. On étudie actuellement toutes les perspectives et les plans de secours. J'ai pas assez de place pour ça. Il va falloir qu'on les utilise pour augmenter nos armes. Je voudrais bien un feu de camp, honnêtement. Doucement, du calme. Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai juste vu des griffes. Des dents. Ça va nous aider. Hé, hey, un peu de tact, tu veux? Ils ont attaqué. Ça criait. Les os. C'est fini. T'es sauvé. Seigneur. C'est bon. Tout va bien. On peut monter ou pas? On est foutu. Foutu. J'étais pas préparé pour ça. On devrait pas être là. C'est fini. T'es sauvé. On est foutu. Foutu. Ça va mieux? Je voudrais bien qu'il le voie en fait. Qu'il voit le cadavre et après. Seigneur, c'est fini. T'es sauvé. On devrait pas être là. C'est bon. Tout va bien. Seigneur. Ça va mieux? Pêche. Je les vois encore. C'est fini. T'es sauvé. On doit juste tenir le coup jusqu'à l'arrivée des renforts. Mais putain, c'est quoi ce bordel? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Nom de Dieu! Je suis pas couvert de boue. Là-haut?
Comment je peux... Y a pas de boue là? Putain Lara, arrête de faire de la merde. On va devoir refaire le passage avec les... Doucement, du calme. Expliquez-nous ce qui s'est passé. J'ai juste vu des griffes. Des dents. Ça va nous aider. Eh, un peu de tact, tu veux? Ils ont attaqué. Ça criait. Les os. C'est fini. T'es sauvé. Seigneur. Ça va mieux? On devrait pas être là. Je peux pas te mettre de la boue, y a pas de la boue quelque part. Ok, cette fois, on attrape le... pas lui mais l'autre. Alors peut-être qu'on va là. Et on l'attrape là. Je sais pas. J'ai peur qu'il nous voit le faire en fait. Non, on va tester quand même, parce que je veux voir s'ils peuvent, s'ils se tirent entre eux. Je veux voir ce que ça fait. En branle en fait. Ouais. Bon bah. On n'aura pas de tuerie. Ah, voilà. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. On va prendre ça. Comment je la fais lâcher là, ça je m'en rappelle plus. Non, ça c'est en tapant. Y'a pas une touche pour lâcher? Qu'est-ce que ça c'est? Non. Avant c'était en sélectionnant les armes que je faisais lâcher. C'est con, mais y a pas de touche pour lâcher quoi. Elle est obligée de le balancer, on est d'accord. Enfin bref. Ah.
deux, trois mecs. Ah, lui peut-être. Je vais voir si on peut accrocher le soldat. Et après, quand il va revenir, peut-être qu'il va devenir fou parce qu'il va voir le mec pendu. Ouais, d'accord, en fait, non. Il est trop loin.